Attention, à vos marques, prêts... Craquez ! Il y a quelques milliards de dollars en or là en bas. Vous allez le voler ? Non, on va le libérer. Les autres ont échoué, il nous faut un esprit supérieur. Ils sont entrés. La caméra n'est plus sur toi, t'as 90 secondes. On se détend. Super production pour un casse dans la lignée de Ocean's Eleven. La chambre forte se trouve sous un réservoir d'eau. Votre nouveau film inédit par le réalisateur de la saga REC. 3. 1. Attention, à vos marques, prêts... Craquez ! Ludwig Dieter. Un craqueur de coffre extraordinaire. Mesdames et messieurs, le vainqueur ! Nous vous avons observé. J'appartiens à une équipe qui braque des banques à travers le monde. Et on veut vous recruter. Mais pourquoi moi ? Je ne suis pas un criminel. Le monde est distrait. Cette conjoncture idéale n'est pas seulement notre seule chance, c'est aussi la vôtre. Ma seule chance ? De quoi ? D'avoir une vie moins ordinaire. J'aimerais te présenter l'équipe. Corinna, notre reine du hacking. Rolf, notre chauffeur. Et pour finir en beauté, notre authentique héros de film d'action, Monsieur Brad Cage. Donc, c'est comme dans un film où chacun de nous possède des compétences particulières et c'est uniquement en travaillant ensemble que nous pourrons accomplir ce qui devra être accompli. Oui, c'est exactement ça. En nous basant sur diverses sources, nous avons déterminé l'emplacement des trois coffres. Le Rheingold, le Valkyrie et le Siegfried. Ils sont tous la propriété du tristement célèbre milliardaire Vali Tanaka. Des questions ? Non. Oui, beaucoup. Des millions. J'ai réussi ! Oui, t'as réussi ! Je veux les attraper. Merci infiniment! Allez, go, go, go! Maniez-vous! Si on fait ça, c'est pour devenir des légendes. Tu fais quoi, là? Il faut que je chauffe mes instruments. Il ne tente rien à rien. C'est comme ça que ça marche. Face contre terre ! Une bonne orchestration, des armes automatiques, et pour couronner le tout, des balles perforantes. C'est du très haut niveau. Une chose est sûre, on a affaire à des cracks. Ça place la barre très haut, on se prend un plaisir de les épingler. Je suis venu te proposer un deal. La peine sortie et tu me proposes un coup. Une casse comme ça, ça se présente pas deux fois. On ramasse 25 à 30 000 euros. Mon plan, ton savoir-faire. Y a pas tant de monde que ça qui puisse maîtriser le C4, chef. Ces gars-là étaient sur un gros projet. C'était peut-être un paquet de fric, mais c'est foutu d'avance. C'est pas du tout comme ça qu'on aime bosser. Pas dans la précipitation. Quand il s'agit de fric, ils plaisantent jamais. Ils auront pas le temps de voir venir. La sorcière a explosé, ça sent le roussi! Écartez-vous, restez pas au milieu! On s'est dit que t'avais besoin de renfort. Je croyais qu'on faisait simple. Je veux un an. Où t'as eu ces billets? T'écoutes. Nous sommes des braqueurs, c'est comme ça qu'on gagne notre vie. Vengez. Petits esprits qui pensent en termes de sommet, de limite à atteindre. Et ici, à la Hubert National Bank, nous ne cesserons jamais de viser plus haut pour maximiser vos investissements. Ne jouez pas au héros. On veut l'argent de la banque, pas le vôtre. Nous avons un vol et homicide. Brutal, avec une touche personnelle. On t'a volé 3 millions du coffre-fort, plus le contenu des caisses.
Il semblerait y avoir un lien entre vous et l'homme qui a été tué. J'essaie de ne pas m'en mêler. Alexander Hubert a été tenu en otage par un groupe marginal de Rangers de l'armée américaine. Les choses ont mal tourné, Alexander Hubert est mort. Une autre tentative de mettre la main sur l'argent de Hubert. Est-ce qu'un chef de banque visite souvent ses succursales, selon vous? C'est de la tête dirigeante que je parle. Il vient nous voir souvent. Agent Montgomery, ils ont frappé une autre banque. On s'en charge. Ces gars-là veulent nous faire croire qu'ils sont de vrais anges. Un don de 3 millions à une œuvre de charité. Ces bandits de merde contribuent au bien commun, m'indiquant la voie vers un plus gros criminel. Avec des coffrets de sécurité? Là où les gens mettent leurs secrets? Pourquoi garder quelque chose d'aussi incriminant? Savez-vous que 7 des 16 représentants de l'Ohio ont des comptes à la banque Hubert? Quelle est la différence entre une question et une allégation? Une allégation est la question que l'on évite. T'es complètement fou! Hubert est toujours en liberté. Pas tous besoin d'une arme pour avoir des résultats. 4 hommes m'ont forcé à ouvrir le coffre. Ils m'ont prise en otage. Quand quelqu'un subit une telle épreuve, il y a souvent des séquelles. Ça va. J'ai une... Si je sens qu'il peut lui arriver quoi que ce soit, je vous tue tous les deux. T'es amoureux de moi? Ouais. C'est des mecs à qui on la fait pas. Si on se fait coincer, on règle ça dans la rue. Encore une petite chose. Tu vas crever en prison. On se reverra, ici ou de l'autre côté. À quel genre d'individu sommes-nous confrontés? Un groupe de criminels aux capacités inhabituelles. Utah, je veux une piste. Alors pourquoi ne pas ouvrir votre parachute au-dessus de la jungle et fuir comme tout le monde le ferait? Parce que je me dis qu'ils ne sont pas comme tout le monde, monsieur. Les auteurs de ces braquages sont des sportifs de l'extrême. Ils utilisent leurs compétences pour déstabiliser la finance internationale. Et dans l'action, ils n'hésitent pas à tuer. On m'appelle Buddy. Quelques milliards de dollars en or, là, en bas. Vous allez le voler? Non, on va le libérer. Maintenant, montre-moi de quel côté tu es. Génie criminel. C'est que des mômes qui jouent avec leur vie. On peut les avoir. Il me faut plus de temps. La seule vraie loi est celle de la pesanteur. Non ! Il faut traverser 4 mètres de béton, 260 000 litres d'eau pressurisée, sans rien de métallique. Sans bouteille d'oxygène. Benji, en position. Ethan, t'es prêt? Un point important. Si tu n'as pas ouvert le panneau au bout de 2 minutes et demie, on est morts tous les deux. Non. Ethan, est-ce que tu me reçois? Arrête maintenant! Mission annulée! Mais attends. Tu peux conduire? Il y a 1 minute, t'étais mort. Mais enfin, de quoi tu parles? Tout ça va mal finir. Monsieur le Président, l'heure est venue de dissoudre Mission Impossible. Ce n'est pas juste une organisation dissidente. Elle s'est déshonorée. Dissoudre Mission Impossible est une erreur que vous pourriez regretter. Bon, du coup. Sécurise l'appel. Voici. Le syndicat est bien réel et ils savent qui nous sommes. C'est une nation dissidente, entraînée à faire ce que nous faisons. Une anti-mission impossible. Ils feront tout pour nous avoir. Oh la vache.
vous et votre équipe devrez répondre de chaque acte de destruction dont vous êtes responsable. Maintenant, on est tous recherchés par la CIA. Génial. La mise à ceinture, c'est maintenant tout le monde. Accroche-toi. Ça pourrait bien être notre dernière mission. Terminons en beauté. Ouvre la porte. Allez vite. Ouais, bah j'essaye. Edgy, ouvre cette porte tout de suite. Oh, c'est pas vrai. Seul. Prenez soin d'écouter ce que je vais vous dire parce que je trie mes mots sur le volet et que je ne me répète jamais. Dernièrement, j'ai conçu et amorcé une mécanique pour exécuter le braquage de banque parfait. Tout le monde à terre, exécution ! Pourquoi ? Parce que je l'ai décidé. C'est vous le négociateur ? C'est ça, agent Frazier, agent Mitchell, topo. Mettez une de ces tenues et un de ces masques. Prenons un peu de recul afin d'apprécier la situation. Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Avancez ! Laissez-nous passer ! Reculez ! Reculez ! Un jumbo jet, réservoir plein, pilote aux commandes, prêt à décoller de JFK. Vous avez jusqu'à 21h, après quoi nous exécuterons. Ils seront défendus. Que tout le monde reste calme, d'accord ? Est-ce que j'ai l'air assez calme pour vous ? Oui, sans nul doute. Monsieur Frazier, il y a là certains enjeux qui dépassent largement votre profil salarial. Alors suggérez à qui le droit de réévaluer mon profil et la question ne se posera plus. Si ça tourne mal, ils vous feront porter le chapeau sur ce coup-là. Cette année, vous me retrouvez devant. C'est pas malin d'entrer là-dedans. Malin comme un renard. Denzel Washington. Depuis quand des braqueurs de banque s'enfuient avec 50 otages à bord d'un avion ? Je crois que vous gagnez du temps. Pourquoi ? Je l'ignore. Clive Owen. Quand je disais que j'avais conçu le braquage parfait, voilà de quoi je parlais. Et Jodie Foster. Je n'ai qu'à claquer des doigts pour donner un mauvais tournant à votre carrière. Moins vous me poserez de problèmes, mieux vous vous porterez. Ils ont entendu tout ce qu'on a dit. Ils nous espionnent. Éloignez vos hommes de la banque. Vous aviez prévu chaque étape de cette opération. Vous avez mené tout le monde par le bout du nez, moi y compris. Et là, je marche plus. À quoi vous jouez ? C'est quoi ça ? C'est tout sauf un braquage de banque ! Inside Man.